Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur Batman Arkham Knight sur PS4. Donc je lance le jeu pour la première fois avec vous. Et premier constat, il y a du son qui sort de la manette, donc ça je n'aime pas du tout. Par exemple, quand je bouge dans le menu, j'ai un son qui sort de la manette. C'est pourri. Et j'ai pas accès au menu. Bon, on va prendre le premier emplacement. Difficulté normale, sous-titres oui, astuces oui, luminosité pour vous, on va en mettre un petit peu plus. Sortie audio. TV, voilà. C'est une TV, hein. Je veux désactiver le son de la manette, je ne peux pas. C'est pénible ça. On va faire avec. Salut sur le live. Ah! J'ai les 5000 abonnés apparemment. C'est cool, merci. Tac, bon on va continuer. Temps de chargement. Alors, sauvegarde automatique, ok. Recherche de contenu additionnel. Ah oui, j'avais des DLC, je les ai pas activés. Et mince. Je crois que j'ai la campagne de Harley Quinn par exemple. Laissez-moi désactiver. Merci, le son de la manette. C'est tout ce que je demande. Le reste, on verra plus tard. On lance. Nouvelle histoire. Que? Quoi? C'est quoi ce délire? Ah ok les gens, j'attendais qu'il se passe un truc, mais quand j'appuie sur le joystick, voilà ce qui se passe. Donc c'est à moi de cramer le Joker, ok. Non mais genre, on commence par cramer le Joker. Oh punaise. D'accord, on aurait pu attendre longtemps, je crois. Comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Quoi? D'accord. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Merci. Avec plaisir. Ah, merci mon chou. Ah, j'ai le contrôle de sa vue, ok. Ça sera quoi? Comme d'hab?
Ouais. Donc une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Ok, mademoiselle. Et voici, gaufres avec supplément de bacon. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre du café? Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. Deux secondes, je vais le voir. Ok, on peut même pas boire un café tranquille. Ah, salut sur le live. Non, je ne fais pas de face game, je me suis jamais montré. What? T'es qui toi? Pourquoi il porte ce masque? C'est ridicule. Alors le mec qui fume, il est où? Attendez, je prends le temps de regarder un peu. Ça a l'air assez détaillé quand même. Alors je sais pas si tout le jeu est détaillé comme ça. Ou si c'est juste l'intro pour mettre en place le jeu. Mais là pour l'instant c'est plutôt cool. Le mec qui fume, il est où? Ah, c'est toi. Excusez-moi, monsieur. C'est non-fumeur ici. What? C'est moi qui tire. Waouh, n'importe quoi les gens. N'importe quoi. C'est un truc de l'épouvantail, c'est quoi ce délire là? Cassez-vous. Lâche-moi. Mais crève. Bordel de chiottes. D'accord. D'après les témoins, les gens qui en un instant profitaient calmement de leur dîner ont été pris dans une attaque sauvage et cauchemardesque. Parmi les rares survivants se trouve un agent de police. Cette démonstration n'a requis que 140 grammes de ma dernière toxine. Demain, ceci vous semblera bien inoffensif. Gotham, ceci sera ton seul avertissement. Ok, donc c'est bien l'épouvantail. Ok. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Batman. Ok, donc salut sur le live, hello, bonjour à tous.
Du coup, d'accord, on nous balance comme ça. Allez, ça plane pour moi. C'est parti. Boulet R2. Ok, est-ce qu'on peut replaner après ça? Ici, vous oui. Voyez Batman. Criez et chargez-le. Ça marche à tous les coups. D'accord. On veut ma peau, ça commence bien. Alors attendez, R1, grappin. Ça, ça a pas changé, ok. Parce que là, on nous explique que dalle. Alors après, le jeu est magnifique. Hein. Punaise. Déjà qu'il était beau sur PS3. Les anciens épisodes, mais là, c'est vraiment sublime. Hop. Alors comment on fait un saut de base? Non, d'accord. Il saute tout seul quand on court? D'accord, c'est ça. Hop, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Hop. Alors le marqueur, on ne voit pas très bien où on est censé aller. Si, d'accord, il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. À toutes les unités, on a un 10-33, secteur 2. Voiture de patrouille disparue, unité 247. Possible officier à terre. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudent, ça risque d'être délicat. Ok, alors sur le live, on me dit ça a l'air d'être le même gameplay que l'ancien. À première vue, complètement. Hein. Rond pour mettre un coup de cap pour stun les ennemis. Donc sûrement carré pour frapper. Triple fracture du bras. Triangle pour contrer, je pense. Frappe pas deux fois au même endroit. Salut Soso, plus de coups depuis une semaine, tu m'as manqué. Ok, ben merci. Bon retour parmi nous. Hop. Donc croix pour tracer, ok, ok. Alors après, il y a sûrement de nouveaux gadgets hein, et compagnie. J'ai l'impression qu'on va quand même plus vite à coup de grappin. Hein. Allez, saute mon gars. Saute. Oh my god, la voix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a la voix? Hop hop hop. On a trouvé le camion de la station 17 à Dixon Dock West. Les recherches de l'équipe sont lancées. Falcon 4, terminé. T'aurais mieux fait de partir avec les autres. Tu as bien cherché à vouloir jouer les héros. Pitié. Alors ils sont combien? Attendez. Wow, wow, wow. Parce que là, faire une attaque en piqué, Bon, allez, on y va. Merde, j'ai foiré. Non. Il va faire l'attaque ou pas? Oui, c'est bon. Ma première vue, c'est la même, hein. Ouais. Carré, triangle. Ça a pas changé. Donc... Ah, par contre, ça, rouge, ça veut dire quoi? What? Ça veut dire lâche-moi, mon gars. Putain, mais t'es sérieux? Ah, secours! Je joue comme dans Bloodborne, je vais faire des roulades. Ah, lâchez-moi. Putain. Comment je fais pour contrer un truc... rouge? Ah, mais lâche-moi, mec, s'il me fait l'autre, là, là. Putain, ils ont l'air de faire plus de chop que dans les précédents, par contre. Putain, j'appuie sur... Je me crois dans... Dans d'autres jeux, c'est génial. Ok. Bon, c'était pas imperfect, hein. Par ici. Oui, j'arrive. Que se passe-t-il?
T'es blessé, mon gars ? Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites ? J'équilibre le jeu. Ouais, équilibre le jeu, mon gars, jeu de mots. What ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, punaise. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Putain, dès le début, ils envoient la Batmobile. Alors, on me dit rouge, c'est pour esquiver. Genre avec une roulade, ok. Attendez, mais genre... Ah oui, non, mais c'est ça, on la contrôle directement, vraiment. Ok. Alors, attendez. Interroger le conducteur du véhicule militaire pour obtenir des informations sur l'épouvantail, ok. On peut tirer des trucs ? Oh putain, je pensais qu'il allait partir sur le côté. Putain, j'espère qu'il y a personne dehors. Hein. Sinon, il va y avoir des morts. Ouais, sauf que Batman, il sait pas conduire, mon gars. Attendez, il y a... Comment je fais ? Pour tirer ou je sais pas. Rond. C'est bon, on l'a eu ou pas ? Il est à moi. Oh putain, je conduis comme une merde. C'est génial. Mais attendez, il y a pas un bouton pour freiner ? La gâchette de gauche ne freine pas. Là, c'est ballot, ça. Ou alors, ça se voit même pas que ça freine. Putain, mais il y a bien une touche pour freiner. Ah, c'est carré. D'accord. Moi, j'appuie sur L2. Ça me paraît plus logique, non? C'est carré pour freiner. Alors qu'accélérer, c'est sur une gâchette. Putain, c'est ultra cinématographique. Ah, monsieur, lâche-moi. Tiens, tu te relèveras plus. Interroger le soldat à proximité. Mais je vois pas où il est le soldat. Ah, il est là, en train de ramper. Reste là, mon gars. Où est l'épouvantail ? Va te faire foutre ! Ouh, il a voulu mettre du truc, là. Où il est ? Je n'ai rien à te raconter, Batman ! Parle ! Ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok ! Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais ! Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi ? Ah ! Aïe. Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique. Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense ? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire ? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Ok. Direction le repère. À combien ? 180, on va y aller à pied, en théorie. Oh, Chinatown. Même les décors, hein, c'est plutôt joli. Hein. Comme les vitrines, c'est qu'un détail, mais je me rappelle sur PS3, souvent les vitrines, c'est un truc... C'était des trucs complètement dégueulasses, opaques. Là, ils ont quand même pris la peine de modéliser des peluches. Bon, c'est que du détail, mais je trouve ça assez impressionnant quand même. Il tue ce jeu. Ah bah, ça commence bien en tout cas. C'est ici. Après, faut voir, ouais, le... Un œil à l'appartement du dernier étage. Sur le long terme, ce que ça donne. Hop. Oh purée, mais... Pourquoi tu recules, mon gars ? D'accord. C'est comment ? C'est croix pour faire des esquives ? Ok. Bon, tant qu'ils font pas de coups spéciaux, en théorie, ça va. On peut les achever au sol, normalement, mais je sais plus comment. What ? Il y a quand même des bugs. Hein. Là, je l'ai tabassé à moitié dans le mur. La caméra était un peu
en train de faire n'importe quoi. D'accord, le dernier coup, complètement bidon. Une petite pichenette derrière la tête. Salut sur le live, hello. 27 mètres. Par là. Les portes sont verrouillées. Il faut que je trouve une autre entrée. Une autre entrée. Donc moi je dirais... Non mais croix pour monter. Prends pas le grappin. Redescends. Élimination. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux armé que les autres? Parce qu'il y a un mode normalement... détective, non? Où on voit les armes des ennemis. Parce que par exemple, s'il y en a un avec une arme à feu, vaut mieux tabasser celui qui a l'arme à feu d'abord. Regardez qui est là. Il ne prend pas des masques. What? Qu'est-ce qui se passe? Vous devriez revoir votre sécurité. Tiens, attends, on va t'achever. Hop. Quelque chose me dit que ça ne faisait pas partie du plan. Oh, c'est Ivy. Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non, rien ne vaut une petite intimité naturelle. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter, et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il n'apprendra donc jamais. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens la cible, elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait dur, il a fallu... Alors, choisir la télécommande. Quoi? Attendez, oulala, il y a déjà 36 000 trucs là. Télécommande. Arrêter le pilotage à distance. Non? Non, c'est pas ça, ok. Non mais genre... Oh là là.
Batman, je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. Ouais, et qu'est-ce que je fais alors? Et c'est quoi le ce qu'on voit devant là? Bonjour, c'est des méchants. Putain, c'est vrai que c'est carré pour reculer, punaise. L2, c'est pour le mode combat. Mais je veux juste détruire les... Ah oui, ça doit être ça. Ah, mais je sais pas jouer. Verrouillage cible, mais je tire avec quoi? Commande à distance. Oh putain. Apprenez-moi à jouer, bordel. R1, ça tire pas. Si, ça tire. D'accord, excusez-moi, j'ai le temps de prendre tout ça en main. Rester à portée de la commande à distance. Donc là, il est même pas dans la Batmobile, en fait. Donc sur le live, on me demandait, oui, il y aura bien une rediff, hein. Vous inquiétez pas. Il faut vraiment que je prenne les contrôles en main. Je dois rester à portée. Bah oui, je dois rester à distance, d'accord, mais le truc, ils sont en train de s'en aller, là. Oh putain, bouge. Ah, puis le truc, c'est que ça glisse carrément sur la route. Youhou. 4 roues motrices, mais super motrices, hein. Punaise. Bah voilà, quand on arrête de faire du caca, ça va mieux. Maintenir, mode combat, ça on a vu, ok. Et maintenant? Parce que Batman il est à l'intérieur là, mais je fais quoi maintenant? Il y en a encore. Oh punaise. Ramenez-vous. Ramenez-vous. Hop hop hop. Apprendre à viser. C'est bon, on les a tous eus. Ok. Alors on quitte le mode combat. Putain mais elle est stylée la Batmobile. Par contre, faut vraiment que je m'habitue parce que moi pour freiner souvent c'est la gâchette d'en face et là c'est pour passer en mode combat, c'est particulier. Sora, il y aura d'autres épisodes d'STP. Ah oui, hein, il y aura le jeu en complet. D'ailleurs je vais sûrement prendre une réclamation pour la musique. Pour le premier épisode. Mais c'est pas grave. Faut qu'on parte. Le maître incontesté de l'euphémisme, comme toujours. Oracle, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. Ok. Et le frein, ouais, il est plutôt efficace quand on se trompe pas de touche. Alors, lancer les diagnostics. Quoi? Attends, c'est un défi. J'ai pas compris. Là, mais putain, mais arrête-toi dessus au lieu de... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Diagnostic de la puissance d'arme. On va le faire. Détruisez les cibles pour compter la puissance d'arme et activer le barrage de missiles. Ok. Mais j'arrive pas à voir les cibles. Ah si, c'est ça. Pff, oh là là. Bah en même temps, s'il faut 15 ans pour les faire péter les trucs. Ou alors faut toucher la lumière peut-être, non? Ouais, c'est peut-être ça. Et donc là, j'ai un barrage de missiles. Ok. À force de cumuler. On va le tester sur quelqu'un. D'accord, c'est un missile à tête chercheuse. Étape 2. Chargez le barrage de missiles au niveau 2 pour détruire jusqu'à 4 cibles. Tire. Putain. On va arrêter de bouger, voilà. On va aller nous montrer un peu comment ça marche. Hop hop hop, donc oui, il y aura bien une rediff, hein. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, la rediff sera de meilleure qualité que le live. Hein, parce que le live... C'est légèrement dégueulasse. Alors que la rediff sera en 1080p, 60fps. Carré. Charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2 avant de tirer. Attends, faut maintenir carré. L'arme secondaire jusqu'au niveau 2. Ok. Après ça part. Ok. Ok, mais là ils vont tirer, je pense, du coup. Ah, me tirer dessus. Putain, mais je peux pas sortir de la zone apparemment. Mais ramenez vos fesses alors. Les machins ils restent à l'extérieur là.
Oh punaise. Toi là. Hop, qui c'est qui me tire dessus? C'est toi, voilà, dégage. Ah, m'a touché. Putain, mais... Mais ils s'en vont. Punaise. Bande de trous du cul. Mais tire... Putain, j'arrive pas... Dès que je bouge, j'arrive pas à viser précisément. Là, je l'ai tiré pendant 15 ans sur la lumière, ça l'a pas pété. D'accord... Merci. Non mais d'accord, si on tire pas dans la lumière, faut vraiment tirer pendant 48 ans à peu près. Bon, par contre en plein combat ça va être relou hein, de passer au niveau 2 là. Mais... Bordel de chiottes. Toi là, montre-moi ton point faible s'il te plaît. Merci. Allez hop, c'est parti. Fais tout péter. Ok. Bon, c'est bon. Ouais, Batman, nouveau Need for Speed. Ah ben, côté voiture, c'est plutôt bien fait. Batman, un transport déploie d'autres tanks à Panessa Studio. J'ai prévenu le GCPD pour que leurs hommes évacuent. J'y vais immédiatement. À toutes les unités, ok, oula. Pardon. D'accord. Mini freeze, tout va bien les gens. Gotham est attaqué. Je veux que tout le monde quitte les rues. Attends mais d'accord, le GPS qui est pas d'accord. GCPD, on est pas équipé. What? Putain, j'ai pas l'habitude. Des commandes, c'est horrible. Carré pour freiner, bordel, c'est pas du tout logique hein. Bon, les dérapages sont pas trop dégueulasses. Oh putain, mais on va détruire la moitié de la ville. Les gens, ils font comme dans Driver. Ils se poussent avant qu'on leur roule dessus. Oh punaise. Après, faut vraiment prendre le coup, quoi. Après, ça devrait aller. Ou pas. Oula, oula, tout le peuple qu'il y a. What? What? Non, mais c'est bon, là, non? Allez, on fait tout péter, hein. Voilà, 4, il y en a plus qu'une vingtaine. Oh punaise. Pas moyen de zoomer un peu là avec ce truc là. Parce que c'est pas évident de les toucher au niveau du point faible. En se déplaçant et en esquivant. C'est même plutôt relou. Hop. Ensuite. Après le mode combat ça va, il est plutôt sympa. C'est vraiment la conduite en elle-même. Ah, je suis coincé. Mais tire dessus, bordel. Putain. Voilà, on casse les palmiers. Oula, mais arrêtez de me tirer dessus. Soyez sympa. Ah, on m'a touché. T'as mis de traces? Moi, ouais, je crois que j'allais rester bloqué. Mais... Hop, toi tu dégages. Voilà. Et Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. Hop. Alors oui, on me dit bien sur le live, il fait n'importe quoi le GPS. Ça. Du coup, il me dit de faire demi-tour, après il me dit de continuer. Bon, là il a l'air d'être ok. 800 mètres. On peut tout péter avec la Batmobile. On défonce tout. Je pensais que Gotham City c'était l'éclate, mais là c'est. Ah, il y a d'autres bagnoles, attendez. Tut tut. Il en a après nous. Ah mais merde, mais c'est des. C'est des ennemis. Il doit pas y avoir de. D'innocents là. En bagnole. Ils sont morts? Non, ils meurent pas les trucs hein. Si? Non? C'est bon, on les a eu. Ok. Bon, je voulais essayer de voir ce que ça donne avec les autres bagnoles. Allez, on est quasiment arrivé. Ravi de vous voir ici, Batman. Emmenez-la au niveau inférieur de la prison. Allez, on va livrer le colis. Hop.
Ça fait une criminelle en moi. Donc je sais pas si on est censé arrêter tout le monde au fur et à mesure du jeu. C'est quoi ça? Là ? Je croyais qu'on nous attaquait. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? L'épouvantail va te briser, Batman! Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues! On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait! Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh super, une autre cellule. M'enfermer est un signe de désespoir, Batman. Je le vois dans tes yeux. Tu as peur. C'est Harley qui m'a permis de m'évader de cette cellule à Bloodhaven. Pourquoi tu n'essaies pas de l'arrêter? Elle balance. Tu sais que ces murs ne me retiendront pas longtemps. Mais bon, si tu te sens plus en sécurité comme ça, je te l'accorde. Pour le moment. Pourquoi perds-tu ton temps à aider ces pathétiques créatures? Elles sont si primitives comparées aux plantes. Bon, j'essaie de parler une dernière fois, mais apparemment elle a pas mal de dialogues. Comme une vulgaire humaine. Tu sais que ces murs ne me retiennent. Ah non, c'est bon, elle commence à répéter, ok. Il y a quand même plusieurs options de dialogue, ça c'est cool. Donc tout à l'heure, il y avait des remarques, hein. Par rapport à la nudité, bon bah ça va. C'est genre aller en maillot de bain, quoi. C'est pas non plus... la folie, quoi. Alors, salut sur le live. Oui, je suis sur PS4. Et donc pour le live, en théorie, on est parti jusqu'à 22h30 à peu près, histoire de faire deux épisodes. On a aussi une demi-douzaine d'hélicos qui... Alors qu'est-ce qui se passe, les gars? Soyons réalistes. C'est pas eux qu'il faut aller voir? Tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se mijote et qu'on n'a rien de solide concernant l'épouvantail, notre priorité est de rester posté ici et de protéger nos hommes. Des questions? J'ai une question, qu'est-ce que je fais? Okay. Bon, c'est pas là que je dois aller, je pense. Dernière fois pour que tout soit clair. En premier lieu... Il est où, Gordon, là? Putain, du coup, je me suis concentré sur elle et j'ai perdu l'objectif de vue. C'est un signe de désespoir, Batman. Je le vois dans tes yeux. Tu as peur. Les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. C'est pas là qu'il faut parler. Des unités qui traquent l'épouvantail. Oh, les mecs, je fais quoi, là? Empêcher l'épouvantail de faire exploser la bombe de toxine de terreur. D'accord, l'objectif... pas précis du tout, tu vois, c'est... Putain. Bon, on va essayer de sortir. Je ne sais pas par où. Bonjour. Apparemment, c'est pas par là. Putain, j'ai même pas fait gaffe s'ils nous avaient indiqué une destination. On me demande si j'ai déjà joué à d'autres jeux Batman. Eh ben, j'ai joué au précédent, là, de la saga. Donc, il y avait les deux premiers qui étaient faits par le même studio, Rocksteady. Et le troisième qui était un peu moins bon, que j'ai fait aussi. Mais je trouve ça plutôt cool. Et là, franchement, la mise en scène, elle est ultra travaillée, ça fait très plaisir. Je ne suis pas policier. Ah, Gordon, c'est toi que je cherche. Ça ne concerne pas. Cash ? On peut s'occuper de ces voyous dans les rues, Batman. Mais pour la milice et ces autres tarés, c'est à vous de jouer. Moi, je parle à Gordon. Expert. Allez au diable ! T'énerve pas, mon gars. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite...
quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. L'homme mystère. Connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. Fernandez, c'est Gordon. Quelle est votre situation? Ok, bon. Il repart sur son truc. Alors oui, j'ai déjà joué à GTA V. Donc je l'ai même fait en vidéo sur ma chaîne. Est-ce que j'ai la PS Vita? Non, je ne l'ai plus. Tac. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, je crois pas. Tac. Mais du coup, alors, l'homme mystère. C'est tout bête, hein, mais ça me fait penser à... Putain, ça bip pour moi. Leur sujet spécial, joueur du grenier sur Batman. Sur un vieux film des années 60. Ah, je fais bipper le truc. Dès que vous aurez fini de fouiller les quais, je... Alors. Et d'ailleurs, bah bon, je vais finir avec cet épisode joueur du grenier. Il m'avait bien fait marrer. Il est sorti il y a quoi, 2 ans peut-être? Donc c'était un film bidon avec des énigmes en mousse qui n'ont aucun sens. Enfin bref, utiliser l'écran de sélection de mission, ouais. C'est ça l'écran de sélection. Empêcher l'épouvantail de faire exploser la bombe de toxines de terreur. Donc rejoindre Oracle à la tour de l'horloge pour l'aider à localiser l'épouvantail. C'est parti. Je m'occuperai de ça plus tard. L'épouvantail est la priorité. Bonne chance là-bas. On sort. Ah non, c'est pas... Pff. Ouais, pauvre gars. C'est pas là la sortie. On a plus pouvoir se regarder dans la glace. Là, c'est la... l'interrogatoire, là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Ryder? Hey, comment on va, mon justicier préféré? C'est pas ta nuit, on dirait. Tu ne devrais pas être à Gotham. Tu te demandes ce que c'est que cette cassette? Je te le dirai si, en échange, tu me promets de me tenir au courant. Marché conclu? C'est dangereux. Tu aurais dû évacuer avec les autres. Et passer à côté du scoop de l'année? Ou plutôt, du siècle? Ça y est, je tiens ma chance de revenir au top. Donnant, Batman. Quoi de neuf sur l'épouvantail? Tu as des pistes? Évite les problèmes. Eh, j'essaie, mais il me rattrape toujours. Enregistrement numéro 8, 15 octobre. Alors, j'aime bien Batman, je connais un petit peu l'univers, mais je connais pas tout. Lui, il me parle pas du tout. Bon, Alfred... Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'ils ont changé la tête des persos. Batman, il n'a pas la même tête. Ivy non plus. Gordon non plus. Oracle, je sais même plus si on l'avait vu. Enfin bref. On va sortir de là, si possible. Où est la sortie? Capacité d'accueil 1%. D'accord. Bon, apparemment, c'est pas par là. Là, je m'enfonce. Ah, quoique. Exit. C'est écrit en gros. L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Tu m'as cassé le poignet pour rien. Il avait oh putain, il est dégueulasse. Pour toi, Batman, pour toi et tous tes amis. Cette nuit, on va enfin détruire la chauve-souris. Ok, il est vénère. Alors, on me demande si j'ai déjà joué à Infamous et Watch Dogs. Je les ai déjà finis en vidéo. Enfin, Infamous Second Son sur PS4. Hello. J'ai jamais rien vu de pareil. Pas de glisser, mon gars. Inquiet. C'est pas son habitude. C'était trop calme depuis trop longtemps. Ils planifiaient leur coup. On n'entendait que ça aux infos. Gotham est exemplaire, Gotham est sûr, criminalité zéro. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout gobé. On aurait dû se méfier. Gotham a toujours été pourri. Alors, je sais pas si c'est des personnages connus. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est écrit avec des pancartes? On s'en sort pas très bien là-dedans. Ah d'accord. C'est la crise. On va vous laisser gérer ça, salut. Hop, on va direction la sortie. On est content de vous avoir. Vous êtes sûrement plus en sécurité que nous tous réunis ici. Mais faites attention à vous. C'est quoi ces masques, ce gant? C'est inverse, ces gants. Et... Des bonbons? Non? Qu'est-ce que c'est? Ah, les bonbons sont un peu dégueulasses par contre, quand on regarde de près. Salut sur le live. J'aime bien regarder un petit peu les détails. Bon après, c'est pas forcément très passionnant de vous le montrer, mais c'est un truc que j'aime bien moi.
Alors, on va aller retrouver l'oracle. Hey! Lâchez ma caisse! Bon, tant qu'il touche pas. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble. Post-combustion? Et Batman, il pète tout. Me remercier, c'est une racaille. Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de... Ah, ça s'envole presque, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Oh là là, la conduite. C'est ignoble. Batman. Pourquoi il y avait un truc Batman là? Ah, c'est ici, faut monter. Apparemment, ok. D'accord. On fait peur aux gens. Mais c'est des gens ou c'est des criminels? Hop, on va monter. Hop. On va retrouver l'oracle. C'est par là au moins. Entrez quoi? Ah d'accord, c'est un passage secret. Tour de l'horloge. Donc c'est ça le QG. Mode de détection. Vérifie l'identité de l'utilisateur au moyen d'une analyse de la rétine. Et t'as un trou du cul. On est censé faire le point avec l'oracle, non? Donc ça c'est quoi la toxine? Est-ce que je vais dans votre bas de cave farfouiller dans vos affaires? Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Ok. Mais alors du coup, l'oracle, à la base, je la connais pas vraiment non plus. Donc je sais pas trop ce qui lui est arrivé précisément. Le vrai nom Barbara, si... Barbara, on l'avait déjà vu. Mais il nous explique pas comment elle finit comme ça, si... Je ne sais plus. T'as, elle fait 1m80. Oula. Elle est pas un peu grande, elle? Alors. En tant que... Ah, c'est Batgirl. Waouh, non mais il faut que je me mette au point sur l'histoire. Ah, j'avais jamais fait le rapprochement. Punaise. Parce que je connais vraiment très mal hein, l'univers, même si je connais les persos principaux. D'accord, donc je viens de faire une découverte. Mais il précise pas la blessure, ce que c'est. Donc elle devient l'oracle et aide le chevalier noir grâce à ses connaissances en informatique. Mais je savais pas que c'était elle, Batgirl. Donc je viens d'en apprendre une bien bonne. Surtout que je crois qu'on peut jouer avec elle, non? Peut-être via un DLC, je ne sais pas. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte. On va pas faire trop long non plus. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !